Le respect des symboles et de l'autorité de l'État, le drapeau, l'hymne national, le civisme étaient jadis certaines de ces valeurs qui faisaient la force et la fierté de la Côte d'Ivoire. Notre nation avait des piliers, la Côte d'Ivoire avait des valeurs. Aujourd'hui, ces valeurs sont pratiquement instables, voire inexistantes. À quel moment la chaîne s'est-elle rompue? Quelles ont été ces valeurs qui ont fondé la vie de la nation ivoirienne? Des préoccupations qui ont besoin de réponses. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. C'est justement pour débattre de ces différents points que nous avons sur ce plateau. Monsieur Assui Anderson, vous êtes conseiller spécial du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Tout à fait. Madame Fadiga, vous êtes présidente de la Fédération nationale des parents et partenaires de l'école en Côte d'Ivoire. Monsieur Sieibi, vous êtes sociologue, enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny. Monsieur Ekoun Kwasi, vous êtes secrétaire général national du syndicat national des enseignants du second degré de Côte d'Ivoire. Et enfin, monsieur Edima Nguessan Emmanuel, vous êtes président du conseil des jeunes de Côte d'Ivoire. Madame et messieurs, bonsoir encore une fois et merci d'avoir accepté notre invitation. Une valeur est une chose qui nous semble importante, au point qu'il soit inutile d'argumenter pour s'en convaincre. Et cette évidence s'est imposée comme un guide, une ligne de conduite en Côte d'Ivoire. Suivons le reportage de Ouattara Seydou et Astou Touré. Soyez bénis, quand vous pouvez voir, les jeunes de Côte d'Ivoire vous remercient. De 1960 à 1980, le principe de conduite et de jugement partagé au sein de notre société était beaucoup acceptable, avec une valeur humaine, notamment basée sur le respect, l'acceptation de l'autre, la considération, l'appréciation, l'accueil, l'ouverture, l'entraide, la réciprocité, la solidarité, la bienveillance, l'écoute, l'empathie, la fraternité, l'affection et l'amour envers d'autres humains. Une valeur est une chose qui nous semble importante au point qu'il soit utile d'argumenter pour s'en convaincre. C'est une évidence qui s'impose comme un guide, une ligne de conduite. Nos valeurs sont le fruit de notre éducation et de notre expérience, à travers desquelles nous nous sommes forgés une représentation et des principes qui guident notre action. Le respect de la diversité culturelle était vraiment un défi pour notre pays. À cela s'ajoute le rôle premier des parents et des familles élargi concernant l'éducation et l'apprentissage des enfants à l'acceptation des valeurs. En ce moment, la famille était la base de l'éducation et l'école prenait le relais pour éduquer et pour enseigner le savoir vrai. L'enseignant était bien formé et l'enseigné aussi. À telle enseigne, chacun connaissait son rôle dans la société et tout cela a donné ceci. Monsieur Sieibi, quand vous entendez cet hymne national, on se dit voici le socle, voici la valeur de notre nation. Oui, bien sûr, c'est surtout le drapeau qui est la carte d'identité visuelle de l'État de Côte d'Ivoire,
mais qui n'a pas toujours été vu comme il se doit. On en parlera après. Alors, quand on entend cet hymne, on se sent concerné en tant qu'Ivoirien. Oui, justement, parce que c'est pour un citoyen, c'est l'élément qui fédère toutes les énergies, qu'on soit à l'intérieur du pays comme à l'extérieur. Quand on entend l'hymne national, même quand on voit le drapeau, on est interpellé. Alors, interpellé par son pays. Monsieur Assui, l'hymne national est l'un des socles, l'un des symboles du civisme. Effectivement, l'hymne national fait partie des 5 symboles de la République de Côte d'Ivoire. On les appelle les symboles identitaires. À travers l'hymne national, on peut caractériser un pays. Donc notre hymne national permet d'identifier la Côte d'Ivoire. C'est un symbole fort qui nous représente. Et à travers ce symbole, on connaît la Côte d'Ivoire. L'hymne national faisant partie du civisme, comment on peut définir le civisme? Oui, le civisme, c'est la vertu, c'est une vertu qui qualifie le bon comportement du citoyen envers l'État et la communauté. Donc c'est l'ensemble des vertus qui permettent, qui qualifient la bonne conduite du citoyen. Et entre autres vertus, on peut parler par exemple du respect des autorités, du respect des symboles de la République, du respect des aînés, du respect de la chose publique. Ça, ce sont les valeurs, c'est les valeurs qui sont des bonnes vertus. Très bien. Alors M. Ekoun, que représentait l'hymne national, le drapeau, en tant qu'enseignant à cette époque-là? Effectivement, l'hymne national et le drapeau constituent des symboles forts de la nation. C'était des symboles sacrés. Quand on voyait le drapeau monter et l'hymne national qui tonnait, à 1 kilomètre, il fallait s'arrêter. Il fallait s'arrêter. Et pourquoi? Parce que ce sont des symboles qui sont sacrés pour la nation et donc il faut respecter ces symboles. Donc, il fallait respecter l'hymne national. Et le respect qu'on donnait à l'hymne national, au drapeau qui montait, c'était de s'arrêter. Parce que c'est la nation qui est en mouvement. Et là, nous, on s'arrête. Alors, M. Edima, il dit qu'il fallait s'arrêter quand on entendait l'hymne national. Oui. Le citoyen se sentait concerné. Absolument. Oui, jusqu'à aujourd'hui encore, la jeunesse continue de percevoir l'hymne national comme étant un symbole assez sacré. Donc pas aujourd'hui, restons dans le passé pour l'instant, oui. On reviendra aujourd'hui, oui. Parce qu'il y a pas mal de choses à dire aussi là-dessus aujourd'hui. Avant, oui. À cette époque-là, comment est-ce que l'éducation, ou comment est-ce qu'on est arrivé à faire en sorte que le citoyen se sente concerné par les symboles de l'État? Oui, c'était par l'école. Hein, déjà par l'école, les citoyens étaient formés à l'idée que la nation était représenté par l'hymne national, par le drapeau et tous les autres symboles. Donc quand on entendait déjà l'hymne national, tout le monde se sentait comme mobilisé par un appel de la nation. Voilà. On lui enseignait cela à l'école. Bien sûr. Alors Madame Fadiga, il y avait donc un engouement certain autour de l'hymne national. Effectivement. L'hymne national, au même titre que le drapeau, sont vraiment des symboles de représentation, même à l'extérieur du pays. Parce qu'à l'extérieur du pays, très souvent, on est identifié par le drapeau. Même ceux qui voyagent, bon, un exemple, ceux qui voyagent, qui vont très souvent en pèlerinage, c'est par le drapeau qui est, comment on appelle ça, un achetement du drapeau qui les représente. Le drapeau faisait partie de votre vie à cette époque-là? Effectivement, effectivement. Donc, voilà. Alors, Monsieur Ekoun, le drapeau, l'hymne national enseigné à l'école et de façon certaine, consistante, pour que le citoyen dans la rue, partout, se sente concerné. Pourquoi on l'avait établi ainsi au niveau de l'école? Vous savez, l'éducation avant était à 3 niveaux. Il y avait l'éducation parentale où la famille, papa et maman, enseignaient des valeurs à l'enfant. Il y avait l'éducation communautaire. C'est-à-dire l'enfant appartenait à toute la communauté, dans le village, c'est l'enfant de tout le monde. Et il y avait l'éducation à l'école, où le maître, le savant, qui était très craint, complétait, faisait la même chose. Mais au-delà de ce que le maître fait, il y avait le civisme. Il devait venir maintenant enseigner les valeurs de la nation, qui étaient aussi sacrées, comme on l'enseignait dans nos familles, le respect de l'aîné, ne pas voler, ne pas mentir. C'était enseigné dans les familles. C'était enseigné dans les familles, et même à l'école. Mais à l'école, le maître va encore ajouter d'autres notions telles que le civisme, dit à l'enfant que dans la nation, il y a certaines valeurs sacrées et qu'on enseignait le drapeau, orange, blanc, vert, l'orange, la signification, le blanc, la signification. Tout ça était enseigné à l'éducation civique et morale. Aujourd'hui, on en parlera, on enseigne plus le droit. Donc on a phagocyté les valeurs. On va revenir à cela, M. Ekoun. Alors, M. Seyibi, on rappelle qu'à l'époque, on était sous le parti unique.
Oui. Est-ce que le fait de chanter l'hymne national était plutôt souci de formation ou souci d'endoctrinement? Non, parce que n'oublions pas que juste après les indépendances, il fallait asseoir la conscience nationale. Et le drapeau, comme je l'ai dit, la carte d'identité visuelle accompagnée de l'hymne national faisait en sorte que toutes les forces de la nation devaient se retrouver pour créer une osmose. On le faisait par amour, donc? Oui, on le fait par amour. Et c'était l'obligation de l'État, c'était de former les citoyens au respect de la chose publique. Et donc, c'est un processus qui met l'État à un certain niveau de responsabilité, mais complété par les actions de famille. Mais il faut aussi dire que l'environnement, les relations internationales n'étaient pas aussi difficiles qu'à présent. Si vous voyez, au moment des années d'indépendance, c'est pour cela qu'on a cette nostalgie, on a le sentiment qu'avant on vivait mieux, tout. Mais les agressions n'étaient pas aussi coriaces que maintenant. On va y arriver, rassurez-vous. Alors, Madame Fadiga, qu'est-ce qui facilitait l'éducation des enfants à cette époque-là? Bon, à cette époque, il y avait plutôt, comment on appelle ça, la vie en communauté, en fait. C'était ça même. On enseignait plus la valeur humaine par rapport à la, comment on appelle ça, à l'intellectualisme d'aujourd'hui, c'est-à-dire... Bon, je la vous valeur, perçois difficilement. Quand il y a la valeur humaine, c'est-à-dire, on faisait déjà en bas âge savoir à l'enfant ce que vaut une vie humaine. Et une considération, c'est-à-dire lui-même, il doit se prendre en considération depuis le bas âge. Donc il y a certaines valeurs de nos sociétés que depuis le bas âge, on inculquait à l'enfant. Donc les parents étaient très impliqués, c'est ça? Très impliqués, le voisin. L'enseignant, enfin, c'était tout un système, la communauté, c'était tout un système qui entourait cette éducation-là. Chose que nous ne voyons pas aujourd'hui. On va y arriver. Enfin, ne soyez pas pressés. Alors oui, M. Edima. Non, je veux dire que l'hymne national comme le drapeau était bien enseigné à l'école. Vous avez dit que l'école, c'était le lieu par excellence de socialisation. Et les jeunes obéissaient? Oui. C'était le lieu par excellence de socialisation. Il y avait une harmonie entre les parents et les enseignants. Il y avait cette communication qui faisait que la formation était complémentaire, elle était rattrapée, il y avait cette symbiose. Donc l'enfant ne pouvait pas échapper à l'éducation civique et sociale qu'on lui enseignait à l'école. Qu'est-ce qui poussait l'enfant à obéir? Mais ce que j'ai dit, il y avait déjà un lien entre famille et l'enseignant. Je veux dire avec l'école. De telle sorte que l'enfant qui échappe au filet de la famille, est rattrapé tout de suite à l'école avec la bonne complicité des parents. Mais ça, ça a beaucoup aidé la formation civique et sociétale même de l'enfant. Une corrélation parents-école pour l'éducation des enfants. Bien sûr. Très bien. Alors, docteur Seibi, les femmes, à une certaine époque, étaient interdites de porter des tenues. Les mini-jupes, pantalons, même dans le périmètre présidentiel. Hein. Oui. Alors, on allait un peu loin quand même, gérer le vestimentaire. C'était important de le faire? Oui, la tenue vestimentaire est un code identitaire. C'est-à-dire, n'oublions pas qu'avec le temps, les pratiques se sont occidentalisées. Oui, par le passé, il fallait célébrer ce qui appartenait à ce qu'on appelle le in-group. C'est-à-dire, ce qu'on avait comme référence, ce qu'on avait comme valeur, il fallait promouvoir partout où on allait. Parce que s'habiller, c'est s'apprêter, c'est rendre hommage à ceux qu'on va rencontrer. Mais à un moment donné, les valeurs qui viennent d'ailleurs vont venir, j'allais dire, bousculer les valeurs. Et même dans l'administration, les hommes étaient... le pantalon blue jean, les t-shirts étaient interdits. Oui, mais puisque y avait... C'était donc une ligne qui était donnée par... L'autorité, c'était la force des institutions qui faisait ça. Sinon, ce n'est pas que la volonté manque aujourd'hui. Les institutions étaient fortes, mais les institutions étaient stables, surtout. Quand on prend la famille, elle n'était pas aussi fragilisée qu'elle l'est aujourd'hui. Quand on prend l'école n'avait pas suffisamment d'ennuis qu'elle a aujourd'hui. L'État avait suffisamment de moyens pour s'adresser et s'occuper de tous les citoyens. Donc, il y avait forcément une osmose. Chacun jouait pleinement son rôle. Mais avec le temps, avec les évolutions, les pressions... On reviendra au temps et l'évolution. Voilà. Monsieur Espi, votre avis sur le sujet? Oui, l'avis sur le sujet, il faut indiquer que la tenue est un élément de communication. À travers votre tenue, on peut identifier quel genre de personne vous êtes. Quand vous voyez un policier avec la tenue de policier, vous savez que c'est un policier qui est là. Et donc la tenue est un élément qui peut même refléter
votre niveau d'éducation. Parce que la manière dont vous sortez de votre famille avec une tenue, on peut attester de ce que l'éducation que vous avez reçue en famille est une bonne éducation. Alors selon vous, comment le pouvoir d'alors arrive à prendre une telle décision, mais surtout à la faire appliquer ? Que les femmes ne devraient pas porter des mini-jupes et des pantalons dans le périmètre présidentiel, les hommes en jeans et en t-shirts, c'est interdit. Comment on arrive à faire appliquer cette mesure-là ? Oui, pour faire appliquer cette mesure, c'est la sensibilisation, c'est l'information, c'est la communication autour des mesures prises par le gouvernement à une date donnée. Et les gens obéissaient ? Et les gens obéissaient. Oui, monsieur Edima. Oui, madame, je voulais dire que pour ajouter à ce que mes maîtres, hein, vous le savez, ce sont mes maîtres, ceux qui sont en face de moi, mais pour ajouter à ce qu'ils disent, il faut dire que l'autorité qui incarnait même, du moins la personnalité qui incarnait l'autorité ne tolérait pas le non-respect. Il y avait zéro tolérance. Voilà, zéro tolérance. Pour la défiance. Pour la défiance. De telle sorte que vous ne pouvez pas vous permettre de venir, par exemple, rencontrer une personnalité. Et puis, comme vous êtes venu dans une tenue qui n'était pas recommandée, on vous tolère. Ce n'est pas possible. Vous allez retourner. Ce n'est pas le cas forcément on reviendra aujourd'hui. À ça. Donc, les personnalités même qui incarnent l'autorité hein, ne devraient pas tolérer, n'ont pas toléré. Et moi, je me souviens, quand nous étions au CM2, le maître était l'autorité. C'était Monsieur Kouna a dit qu'il était craint. Il était craint, il était sacré. Un demi-dieu. Il était divinisé, pratiquement. Mais il a fallu simplement qu'une élève se retrouve à porter un jean, en dehors de l'école. Mais ce sont les élèves, nos camarades qui l'ont soulevé, qui l'ont porté jusqu'à devant le maître. Vous dites, monsieur, et le maître... Il y avait une certaine conscience collective. Une conscience collective. Et puis les enseignants, ils aimaient leur métier. Ils aimaient profondément leur métier. Comment on le sent à l'époque... Vous le sentez dans l'enseignement même. Dans le temps qu'ils mettent à enseigner, dans la façon dont ils enseignent dans la classe, et ils enseignent hors de la classe. C'est-à-dire, ils vous trouvent dans la rue, votre tenue là, ils vous interpellent. Et les parents et la communauté est d'accord avec l'éducation que le maître vous donne en dehors de la classe. Moi, nous avons vécu des maîtres qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, beaucoup de nos, en tout cas la plupart de des membres de notre génération, se comportent de manière très civilisée, de façon bien éduquée, mais c'est grâce aux maîtres, aux enseignants qui, eux, avaient l'amour de leur métier et qui avaient conscience qu'ils avaient un rôle fondamental à jouer dans l'éducation des enfants. Les enseignants avaient l'amour de leur métier, ils aimaient leur métier, ils enseignaient partout en classe et ailleurs. Non, avant ça, j'ai dit, tout est dans l'éducation, même la tenue. Les enfants, avant, n'avaient pas d'autre chemin que le respect et vraiment la discipline. Parce que l'autre aspect, qu'on n'en parle pas, en même temps qu'on enseignait les valeurs, on leur disait, si vous allez contre ces valeurs, vous serez corrigé. Aussi bien au niveau de la famille, de la communauté. Un parent au bout du village pouvait donner une correction à un enfant. À l'école, l'enfant était corrigé. La punition était à côté de l'éducation. En tout cas, l'enfant était corrigé lorsqu'ils allaient contre... Comment vous dites corrigé ? Il y a beaucoup de manières d'être corrigé. Je peux mettre un enfant à genoux. Je peux même le... Comme on dit, on ne veut plus... Le chicoter, c'est aussi la correction. Et ça, l'enfant le savait. Et donc, l'enfant était conscient de la punition. Il était conscient. Et nous tous, on a vécu un peu cette époque. On avait même peur d'aller contre toutes ces valeurs. Et on grandit avec. Quand on est arrivé au collège, on s'habillait en tenue bleu-blanc, bien cravaté, tout ça. On nous apprenait à nous habiller. Et donc, on a grandi. Donc, l'ancienne génération a grandi avec des valeurs qui, aujourd'hui, ont disparu. D'accord. La chicotte pour l'éducation des enfants ? Oui, non. La chicotte, en fait, effectivement, c'était ça. Tout le monde était... Il n'y a pas quelqu'un qui va dire dans notre génération jusqu'à aujourd'hui qui n'a pas été chicoté. Tout le monde a été chicoté plus ou moins. Bon, peut-être à des fréquences moindres, mais sinon, chacun... Parce que quand tu commettais une petite erreur, dis-toi que si ce n'est pas le maître qui va te chicoter, c'est la famille, soit un des voisins, ou bien soit un des oncles. Et c'était très présent dans la pensée des enfants. Des enfants. Et tout le monde, c'était tellement bien suivi. Monsieur Assis, je voulais intervenir. Je voulais intervenir. Je pense qu'il faut essayer de relativiser les choses. Pas rester figé sur une position. Il faut inscrire la position dans une dynamique d'évolution même de la société. La société n'est pas statique. Parlons de ce qui s'est passé à l'époque. Est-ce qu'à l'époque, la punition, entre parenthèses, la chicotte, était celle-là qui faisait en sorte que les enfants obéissaient ? Je dis effectivement, c'est juste, mais la chicotte obéissait également à une période T donnée. C'est-à-dire ? C'est-à-dire la période à laquelle on chicotait les enfants permettait aux enfants
de pouvoir avancer, de pouvoir évoluer, de pouvoir prendre en compte cette donne. Il n'est pas évident qu'aujourd'hui, avec le niveau de chicotte... On arrivera aujourd'hui. Oui, je voulais, docteur Seibé. Oui, pour ce que le conseiller dit, à cette époque, les enfants allaient au CP1 à 10 ans pour certains, à 9 ans, donc en âge avancé. Et donc, la chicotte pouvait se justifier dans ce contexte-là. Et puis, ça, c'est un élément. Le deuxième élément, c'est que l'Occident, qui venait de partir, n'avait pas une très forte emprise sur nos responsabilités en termes d'éducation. Donc, on ne nous dictait pas ce qu'on devait faire. On va revenir faire. À ce qu'on nous dicte oui, ou pas, mais, voilà. la mais question, restons sur comment est-ce qu'on arrive... Je parle de la chicotte. Oui, oui. La chicotte était un moyen institutionnel dans les sociétés traditionnelles pour faire passer le message à celui qui ruse avec les règles. Mais à un moment donné, ce n'est pas la chicotte qui manque dans la brousse, mais à un moment donné, c'est l'Occident qui a imposé. Et c'est devenu un slogan qui a été repris. On va revenir à cette idée, l'Occident a imposé dans oui, les conséquences. La question comment les jeunes... Nous, on a vécu les dernières chicottes. Voilà, donc on peut se targuer de... Et c'était quoi les dernières chicottes? Non, mais je veux dire que comment les jeunes ont intériorisé les valeurs de la société, les valeurs civiques, notamment l'hymne national et tout ça, de par ce que nous avons vécu, il vous suffisait de répéter le même mot deux fois et que le maître notait ça comme une faute. C'est-à-dire que l'hymne national, là, vous n'avez pas le droit de décocher un mot à l'intérieur de l'hymne national. Parce que c'est outrage à la nation. Enfin, je me souviens de ces expressions. Outrage à la nation. Et quand ce n'était pas la chicotte, il avait le moyen de vous faire payer ça. Ou bien vous allez puiser de l'eau pour remplir toutes les barriques des maîtres, ou bien vous allez balayer les classes, vous restez là, les autres peuvent aller à la maison, mais vous pas. De sorte que quand vous partez à la maison, là, vous avez l'obligation, c'est-à-dire que vous savez que vous avez l'obligation de connaître par cœur l'hymne national. Quand vous arrivez, vous récitez l'hymne avant d'entrer en classe. C'était véritablement ces moyens-là qui ont permis... Les anciens étaient beaucoup imaginatifs. Hein. J'ai compris, hein, si vous me permettez ici, de dire que... Allez-y. Mon enseignant de CM2, par exemple, Molo Molo, à qui je vais rendre hommage. Mais ils étaient imaginatifs, puisqu'ils aimaient l'éducation. Ils voulaient que nous soyons des hommes bien formés, des hommes bien. Quand les parents commençaient à se plaindre de la chicotte, à un moment donné, ils ont trouvé une autre formule. Laquelle? C'est-à-dire que quand vous ne respectez pas les règles telles que édictées, vous ne mangez pas à la cantine. C'est-à-dire que vous allez... Est-ce que ça aussi, c'est ah oui, normal? Je regarde M. Ouais. Assui, l'enfant est privé de nourriture. Oui, c'est ce que je disais tantôt, à tous les mois, que les mesures que nous prenons, les tests, les lois qui viennent régenter la société, viennent à une période et tiennent compte des circonstances à une période. Le sociologue a indiqué, il a appuyé son ce dont je parlais, en indiquant que les enfants, l'âge qu'ils avaient, leur permettait de supporter la chicotte. Aujourd'hui, il n'est pas évident qu'un enfant qui va à l'école au bas âge, à 3 ans au CP1, puisse supporter une chicotte avec la même ampleur qu'un individu, qu'un enfant de 10 ans qui est au CP1 pour le supporter. Et donc, nous disons qu'à chaque période, les initiatives que nous prenons doivent être en relation. Et la bonne instruction ou le bon message ou les bons tests que nous prenons, ils sont bons parce qu'ils cadrent avec le moment bien précis. D'une certaine époque. D'une époque. Très bien. Madame Fadiga, est-ce que vous comprenez le fait que la chicotte était celle-là qui accompagnait l'éducation de l'enfant? Est-ce que vous, en tant que parent, vous avez dit que tous ceux qui sont sur la table ont été chicotés? Effectivement. Oui, mais est-ce que, selon vous, c'était à cette une époque où il fallait forcément... Sans la chicotte, on ne pouvait pas éduquer à cette époque-là? Le message ne passait pas? Ça passait difficilement. Parce que quand tu disais à un enfant, fais ça, c'est sûr qu'il ne le fera pas. Mais quand tu dis, si tu ne fais pas, tiens-toi menaçant. Quand il sait qu'il est menacé quelque part, il sait qu'à la finalité, ce serait la chicotte, il va le faire. Donc la menace partait avec l'éducation, avec la punition. Je sais, ça, madame, la punition, mais la chicotte. Sur la question, je voulais... S'il vous plaît. Permettez, monsieur, oui. Oui, monsieur Edima. Ne perdons pas de vue l'environnement dont l'école a bénéficié en son temps. Il y avait une bonne relation entre les parents et les enseignants, même sans la chicotte. Oui, même les enseignants.
C'est-à-dire, même si on met la chicotte de côté, il y avait cette volonté d'être complémentaire dans l'éducation et le suivi de l'enfant. À côté de ça, l'environnement de l'école lui-même ne pouvait pas permettre à l'enfant d'échapper, n'est-ce pas, à l'enseignement qu'on lui donnait. Donc, tout ça, ça a bien évolué. On va revenir là-dessus. Quelle était votre relation, les relations que les parents avaient avec les enseignants? C'était vraiment une relation de complicité. Et l'enseignant aussi venait aussi à l'enseignement parce qu'il aimait la chose. Ça faisait qu'il prenait les enfants comme si c'était lui-même ses propres enfants. De toute façon, il allait, en fait, à chaque fois qu'il voyait un enfant, on avait même peur de rencontrer nos différents maîtres. Quand tu sais que le maître est quelque part, parce que tu as peur qu'il ne te fasse une remarque et qu'au finish, tu puisses avoir une correction quelque part. Donc, il y avait une complicité entre les parents et l'enseignant. Et l'enseignant aussi avait l'amour de son métier, si bien que ça se reflétait même sur lui-même ses propres élèves en classe. Parce qu'il ne tolérait pas certaines défiances des enfants. Très bien. On reste avec vous. Alors, à cette époque-là, il y avait un credo. Hein. Le premier mari de la femme, c'est son travail. Vous êtes informée de cette notion. Ça venait d'où? Non, ça venait du fait que, effectivement, bon, ce mot même a été vraiment mis sur la table même avec les grandes dames, paix à leur âme aujourd'hui, les premières dames de l'AFI à l'Association des femmes ivoiriennes. Donc, en son temps, parce que, bon, on dit comment on appelle ça? Premier mari de la femme. Premier mari de la femme, c'est son travail. Parce qu'on a vu que quoi? La femme qui passait son temps à aller au champ avec son mari, qui faisait tout, et qui était au petit soin, malgré tout ce qu'elle faisait, non seulement qu'elle n'était pas rémunérée, mais en elle, en guise de récompense, elle n'avait pratiquement rien, quelque sorte. Alors que celle qui partait travailler au bureau, tout simplement, mais qui n'était pas au petit soin du foyer comme il se devait, il y avait une certaine considération. Donc, on a vu que vraiment, il y avait une injustice quelque part qui disait pas son nom. Donc, il fallait... C'est ce qui a amené nos aînés, en son temps, de dire que autant laisser la femme aller travailler, apporter quelque chose à la fin du mois. Parce que tout ce qu'elle fait... Elles avaient mis en avant la valeur du travail. Monsieur Assui. Oui, sur la question, je pense que ce message qui était passé était stimulant. Elle a dit que cela venait de l'Association des femmes ivoiriennes, voilà, avec à l'époque les jeunes Gervais. Effectivement, c'était stimulant pour permettre à la femme d'exercer, de travailler et d'être, entre guillemets, peut-être l'égal de l'homme plus tard, mais de travailler. Voilà, pour mettre le travail en avant. La valeur du travail. Les valeurs du travail étaient prônées. Mais je pense qu'il faut aussi relativiser, c'est ce qu'il dit également. Parce qu'il a été donné de constater aussi. C'est pourquoi nous sommes toujours dans le passé. Dans le passé, toujours. Même dans le passé. C'est pourquoi, quand on donne l'information de ce que le premier mari de la femme, c'est le travail, je pense que nos parents gagneraient à aller en profondeur de ces dictons, de ces messages qui passent. C'est-à-dire, une dame ou bien une jeune fille peut effectivement entièrement se consacrer à son travail. Mais in fine, il y a les questions d'âge dans le mariage, des choses qui peuvent arriver. De façon concrète, une personne qui intériorise un message des parents comme quoi le premier mari, c'est le travail, si le père ne prend pas la peine d'expliquer concrètement à la fille, il se pourrait que la fille, à un âge donné, puisse ne pas se marier. Ça existe. Est-ce que c'était compris comme ça à l'époque, docteur? Bon, c'était des slogans qui étaient utilisés. On était au lendemain des indépendances. Et on sait que les femmes n'étaient pas les premières candidates à l'école. Il y a beaucoup de filles qui ne trouvaient pas la route de l'école. Donc, il fallait les motiver. Il fallait faire en sorte que la fille elle-même, elle soit décomplexée, mais aussi encourager les parents, surtout en faisant en sorte qu'ils misent sur la jeune fille qui était aussi présentée comme quelqu'un sur qui la société pouvait compter pour son édification. Mais cela ne veut pas dire que c'est seulement dans l'école, le travail officiel, le travail, la fonction publique et autres, du tout, que la femme peut se réaliser ou aider la Côte d'Ivoire. Très bien. Rapidement. Sur la question, mais avant, j'entends dire que avant, l'enseignant avait l'amour de son métier, de son travail. L'enseignant aimait son travail. L'enseignant aime toujours son travail. On va y arriver. Je tenais à le préciser. L'enseignant a toujours aimé son travail. Très bien, on va y arriver. Avec votre permission, rapidement. Sur la question, je veux dire qu'avant,
la jeune fille, comme le sociologue l'a dit, n'était pas faite pour l'école. Quand le parent n'avait pas les moyens, il préférait mettre l'enfant, le petit garçon, que la jeune fille. Celles-mêmes qui ont la chance d'y aller, souvent on s'en va vraiment les déloger ou bien les envoyer à la maison. Et donc il fallait trouver un slogan pour les encourager à l'école. Je pense que c'est là que... Oui, très bien. Merci beaucoup. Rapidement, mais, monsieur Edima. Au-delà du slogan, il y a eu des actions au niveau même de l'État pour accompagner la mise en œuvre de ces slogans. Vous avez vu la mise en place des centres de formation dédiés aux femmes, hein, pour justement les doter de capacités qui devaient leur permettre de se prendre en charge. Plus tard, on va parler d'autonomie. Mais ça n'a pas été seulement que des slogans. Il y a eu un suivi, il y a eu un accompagnement délicat. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que ça existe aujourd'hui? On en parlera. Merci beaucoup, M. Dima, on va en parler. Alors, ces valeurs ont fondé, ont apporté un rayonnement à notre pays. Mais aujourd'hui, il semble que ces valeurs-là soient en train de s'écrouler. Quelle est l'origine de la perte des valeurs en Côte d'Ivoire? De nombreux indicateurs parlant du comportement de nos concitoyens sont au rouge, suivant le constat de Seydou Ouattara et Astou Touré. Y a-t-il un thème plus ancien que celui qui effraie? Chaque génération d'adultes semble en faire un sujet d'inquiétude. De l'indignation verbale aux mesures autoritaires, toutes ces réactions traduisent le sentiment douloureux de ne plus rien comprendre aux adolescents d'aujourd'hui et de ne plus rien maîtriser quant à leur comportement avec la jeunesse de ce début du XXIe siècle. Nous sommes donc à la fin d'une époque. À la douceur d'une adolescence passée succède la spirale sans fin de violence, des agressions, des tournantes, de la consommation de produits illicites, des incivilités de toute nature, moins attentifs, plus instables, rarement respectueux de l'autorité parentale et professorale. Le tout dans un package qui donne ceci. Beaucoup d'indicateurs sur le comportement des jeunes Ivoiriens sont aujourd'hui au rouge. Il est de notre responsabilité d'adultes, de parents, des enseignants et des hommes politiques de réagir. L'éducation doit aider la jeunesse à prendre le contrôle et apprendre à renoncer à la satisfaction immédiate de ses besoins, mais aussi à la pertinence à canaliser son énergie dans une production positive et constructive. Une des conséquences de la perte des valeurs est la méthode d'enseignement de l'éducation nationale, désormais centrée sur l'élève. Elle met l'accent sur le développement et l'affirmation de sa personnalité au détriment de son effort d'écoute, du maître qu'on ne respecte plus et de la compréhension de son enseignement dont on doute l'utilité. Du coup, les jeunes ne respectent plus rien. Ils affirment et clament leurs convictions personnelles. Sans avoir une connaissance nécessaire, par le manque de lecture entraîne toujours le manque de vocabulaire et quand on ignore les mots, on ignore les concepts. Dans ce débat, est-il possible de prendre un peu de recul pour se désengager des quelques préjugés? Peut-on aller chercher les informations qui font appel à des méthodes d'investigation reconnues? Sans démagogie, débaucher des solutions, avoir des programmes qui responsabilisent les adolescents et rendent les adultes plus adultes. Avec une prise de conscience commune, le pays retrouvera son lustre d'antan. Messieurs, j'écoutais pendant l'élément vos différents soupirs. Vous souffrez de voir ces images, n'est-ce pas, docteur, pour la nation, pour la vie de la nation? Oui, bien sûr. Ça me fait rappeler ce que le philosophe, sociologue, historien Castoriadis a appelé la montée de l'insignifiance. C'est la période où la majorité adhère aux antivaleurs. C'est la période où la valeur, on a le sentiment que les valeurs sont en voyage. Les valeurs dont on a parlé sont là, mais ne sont pas promues, ne sont pas visibles. Et donc, c'est la médiocrité qui prend le dessus. Et c'est ce que nous... Mais quand on regarde bien, et avec le débat tel que nous le menons ici, il y a trois institutions qui sont convoquées ici. Il y a l'État, il y a la famille et il y a l'école. Mais de mon point de vue, comme je le disais là, il faut situer les choses dans leur contexte. Le contexte actuel est différent du contexte idyllique, du contexte, les périodes glorieuses. Mais aujourd'hui, l'environnement n'est pas... Ce que nous vivons en Côte d'Ivoire se vit partout. Parce que la mondialisation heureuse n'a pas que produit des résultats qu'on avait prévus.
Et dans ce contexte-là, le père, quelle que soit son autorité, avec un enfant qu'il va enfermer à double tour, mais qui a un smartphone, se trouve sur les Champs-Élysées. En ce moment-là, l'autorité du père est mise en parenthèse et c'est dans ce contexte-là qu'il faut agir sur ses consciences. L'enfant étant... Je termine. L'enfant, c'est l'aîné. Hein, c'est le cadet qui vient aux mains des aînés. Mais quels sont les moyens que ces aînés-là se donnent aujourd'hui? Quelle est la force des forces extérieures sur la capacité de la famille, sur les possibilités qu'a l'État pour produire un citoyen dans un contexte mondialisé? C'est dans ce contexte que nous sommes. Parlons de l'État. Quelle serait donc la responsabilité de l'État par rapport à toutes ces images qu'on a vues? Oui, nous avons vu ces images. C'est triste que nous voyons ces images. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. C'est la réalité, bien sûr. Mais il faut comprendre ce pourquoi nous avons ces images aujourd'hui. Il faut remonter pour voir pourquoi nous avons ces images. Et je pense que l'une des causes de ce que nous observons aujourd'hui, la baisse de l'incivisme, le manque de respect des autorités, des symboles de l'État, je pense qu'il y a une date. Vous en parlez tout à l'heure, mais il y a une date. Vous savez, à partir de quel moment ? Oui, le service civique a existé en Côte d'Ivoire de 1963 à 1984. Et donc, c'est 21 ans où on a pu observer, effectivement, en termes de comportement des jeunes sur la période de 63 à 84, nous sommes témoins de ce que nos jeunes, nos populations avaient un type de comportement. Et le service civique s'arrête en 84. Vous me permettez, je voulais saisir cette opportunité pour saluer véritablement l'initiative qui a été prise par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui a permis de remettre en selle le service civique. Mais pourquoi en 84 il s'arrête? Le service civique s'est arrêté en 84 pour plusieurs raisons. Il y avait d'abord l'ancrage institutionnel du service civique qui était de type militaire, qui était rattaché au ministère de la Défense et qui posait problème, une histoire de confiance entre les populations et l'armée. Le second aspect, c'est le coût du service civique. Ça aussi, il faut également aussi les examiner. Le service civique a un coût également, l'incivisme a un coût également aussi. C'est un élément qui a empêché l'évolution du service civique. Et puis également aussi dans ce service civique ancien qui existait, on devait mettre à disposition des jeunes des terrains, des forêts. Et voyant que la forêt diminuait, il n'était pas évident d'avoir toujours le lopin de terre à accorder à un jeune pour, à la suite de sa formation civique. Pour toutes ces raisons, on a sacrifié. Et pour toutes ces raisons, le service civique s'est estompé. Je disais tout à l'heure que nous saluons avec respect la clairvoyance du président de la République qui remet en scène le service civique. Et le service civique avec une autre mouture. Donc imaginez, pendant 32 ans, de 1984, ce n'est qu'en 2016 que le service civique est remis en selle. Et vous avez pu observer les salles de services civiques qui existent en ce moment, un salle de services civiques à Guingreni, à Bembresso, à Mbayakro, et qui adresse la question de la vulnérabilité des jeunes. Mais en même temps, le service civique est là depuis 2007, nous sommes en 2021, les images sont là. Hein. Oui, les images sont là, je peux poursuivre, les images sont là. Les causes, j'ai parlé du service civique, mais ce n'est pas la seule cause. Bien sûr, permettez, oui. Je finis par là. Il y a également les différentes crises que nous avons connues qui ont exacerbé le niveau des civismes en Côte d'Ivoire. Vous êtes sans ignorer que depuis 1990, nous traversons une situation de crise. Et cela a un impact forcément sur les enfants, sur le comportement, sur le fonctionnement. Évidemment, et c'est une œuvre de longue haleine, je vous le dis. Ça va remettre aussi en cause le travail que vous faites en ce moment pour justement réguler ces images que vous venez de voir. Permettez que je puisse passer la parole à Mme Fadiga. Mme Fadiga, vous êtes parent et présidente de Fédération des parents d'élèves, mère de famille. Quand vous regardez ces images, vous vous dites que vous dites quoi? Le parent a démissionné, j'utilise l'expression du docteur, les parents sont en voyage? Non, pas du tout. Non, j'ai parlé du voyage des valeurs. Bon, je reviens au voyage des parents. Non, pas du tout. Vraiment, c'est avec le cœur maître que nous regardons ces genres d'images, parce que ça ne plaît jamais à aucun parent. Ce sont vos enfants? Effectivement. Vraiment, ça nous interpelle. Les parents n'ont pas démissionné. Ils sont où? Les parents sont là. Mais c'est... Comment on appelle ça? C'est la vie actuelle qui amène à les parents à avoir moins d'autorité sur les enfants. La vie actuelle. On prend des décisions. Il y a les médias qui sont là, qui ne projettent pas des films éducationnels. Les médias, certes, mais vous, en tant que parent, quelle est votre responsabilité dans tout ce qu'on vient de voir? Mais justement, j'ai dit, le parent, il fait ce qu'il peut. Nous, en tant que parents, nous faisons ce que nous pouvons. Vous faites quoi concrètement?
quand on voit l'enfant qui est en train de dévier, on essaie quand même, on fait tout pour le rattraper. Mais si en dehors de ce rattrapage, il y a plus, comment on appelle ça, les médias qui ne font que... Par exemple, tu dis à ton enfant... Les médias sont devenus les nouveaux parents. Les nouveaux parents. Il y a c'est les ça, médias, vous validez les, c'est ça. Mais non, pas les nouveaux parents. En fait, les médias n'aident pas les parents à faire l'éducation. L'éducation des enfants auparavant, parents, école, c'était vraiment la main dans la main. Aujourd'hui, les parents, bon, Madame Fadiga a essayé de dire que les parents sont présents, mais ne sont pas aidés. Est-ce que vous comprenez son intervention? Ou les parents, pour vous, sont inexistants à la case éducation? Non. Avant d'arriver aux parents, je voudrais emprunter l'expression du sociologue qui a dit que les valeurs sont en voyage. Mais pourquoi ces valeurs qu'elles sont parties en voyage? Elles peuvent revenir à tout moment. J'ai dit, bon, on peut rester là-bas. J'ai dit que tout est dans l'éducation. Tout est dans l'éducation. Aujourd'hui, il n'y a pas d'éducation de qualité. Les acteurs chargés d'animer le système éducatif, les enseignants, les maîtres que nous sommes, nous avons perdu toute dignité. On nous a arraché le pouvoir pour les remettre aux enfants. Donc, on ne peut rien aujourd'hui... Qui a pris le pouvoir pour le remettre aux enfants? Mais le gouvernement, c'est l'État. En 2009, il y a sous l'ère de M. le ministre Gilbert Bleu-Lenay... Vous parlez de l'arrêté, je l'ai. Il y a un arrêté qui a été pris. Oui. Qui va interdire certaines pratiques à l'enseignant. Alors, parlons de certaines pratiques. Quand je dis là, je regarde, oui, l'article premier. Vous permettez. Allez-y. L'article premier. Dans le chapitre premier, il est interdit. Désormais, le maître qui était tout puissant, qui était tout craint, aujourd'hui a des interdits. Il est interdit à tout enseignant du secteur public ou privé d'infliger aux élèves des punitions physiques et humiliantes sous quelque forme. Je vais à l'article 5. Le texte est clair, hein? Oui. Des punitions physiques et humiliantes. J'arrive. Il est interdit de renvoyer un élève de l'école, du collège ou du lycée pour les motifs suivants. Manque de matériel, cahier, livre, instrument de toute forme. Est-ce que ce n'est pas pour permettre à tous les enfants d'avoir accès à l'éducation? Écoutez, quand vous êtes dans une salle de classe, vous n'avez rien. Vous pensez qu'on est en train de vous éduquer? Vous prenez les cours où? Mais vous ne faites que perturber la classe. Vous n'avez aucun document. Et le maître est impuissant. Mais quand on dit à un enfant, va à la maison, dis à ton papa, sors de la classe. Mais c'est quand même dissuasif. L'enfant, quand il va trouver le parent, on m'a mis au dehors parce que je n'ai pas de cahier. Mais est-ce qu'à l'époque, quand on parle avant, c'est une référence? C'était inadmissible. Mais l'État lui-même va encadrer. Va encadrer et contribuer à fragiliser. Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est l'État? Parce c'est que l'État. Le texte est clair. Le texte dit qu'il est interdit à tout enseignant du secteur public ou privé d'infliger aux élèves des punitions physiques et humiliantes. Oui. Est-ce que c'est ce même texte-là qui vous demande d'aller boire avec les élèves? Vous avez vu un enseignant boire? Mais enfin, est-ce non, que non, c'est non, quelque non, chose non, de nouveau? Moi, c'est... Vous êtes quand même secrétaire général national. Oui. Est-ce que vous n'avez jamais eu vent? Est-ce qu'il n'est jamais remonté à votre secrétariat qu'il y a de la défaillance au niveau de la morale, de la moralité de certains enseignants? Écoutez, c'est pas le texte qui le dit. Hein? Je pense que vous parlez des enseignants peut-être qui boivent à l'école. Sinon, à la maison, tout le monde boit. Mais à la maison, on peut boire. C'est vous qui le dites, mais peut-être que vous êtes en train de dire que des enseignants boivent avant d'aller dans les salles de classe. C'est ça que peut-être vous voulez dire. C'est là que j'ai dit non. Ce n'est pas le texte quand même qui l'interdit. Ce n'est pas le texte du moins qui le dit. Hein? Non, le texte limite aujourd'hui les pouvoirs du maître. Le texte aujourd'hui donne tout pouvoir à l'enfant. Parce qu'aujourd'hui, un maître ne peut même pas mettre un enfant à genoux. Un maître n'a même pas le droit de tuer un seul chevet d'un enfant. Il peut se retrouver devant le procureur demain. Et dans ces conditions, quel type d'enseignement que vous voulez? Quand je fais un cours, j'arrive et que l'enfant qui n'a ni cahier, demain, quand j'ai dit de rappeler et que lui ne rappelle pas, mais moi je continue. Rappeler quoi, le cours? Mais le cours, bien sûr. Mais vous continuez sans émotion? On va continuer parce que, mais puisqu'on m'a dit qu'il n'a rien de le laisser, il n'a même pas son cahier. C'est de là qu'est partie donc la chute de l'enseignant? Je pense, non, pas de l'enseignant, mais du système éducatif. Là, je parle de l'enseignant. L'enseignant qui ne peut plus parler à l'enfant, qui ne peut plus le toucher, tout n'est-ce pas? Enfin, je dis bien toucher, hein, parce que le texte est bien clair. Oui. Cet enseignant-là, du coup, se dit, il se déconnecte émotionnellement de cet enfant-là et commence à faire ce qu'il veut. Non, parce qu'on a des enseignants, parlons des enseignants, qui boivent dans les restaurants et maquillent autour des établissements avec les élèves, tout heureux. Bon, si vous en avez vu,
Ça, c'est des cas. Monsieur le secrétaire général. Non, je ne l'ai pas vu. Monsieur Edimari. Non, non, pardon, si, même non. Si c'est le cas. Oui. Si c'est le cas. Vous validez, vous non, 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 si, cela? Si c'est le cas, il y a une administration. C'est au chef d'établissement de prendre ses responsabilités. Si vous constatez qu'un enfant, un professeur, plutôt un enseignant arrive dans une classe qu'il est ivre, mais il y a une administration. Mais comment arriver à cette défaillance? C'est pas possible. C'est pas possible de voir un enseignant arrive dans une salle de classe saoul, ivre. Non. Madame Mélène. Monsieur Edima. Non, ça dit, ici le débat n'est pas de savoir quel est le niveau scolaire des enfants aujourd'hui. C'est pas ça. On parle de civisme, de comportement, de l'éducation des enfants. La perte des valeurs. La perte des valeurs. Faut pas qu'on, mais l'enseignant, l'enseignant était une valeur également. Bien sûr, je viens. Allez-y. Il ne faut pas qu'on perde de vue l'essentiel. Mm. L'enseignant s'est démystifié devant les. Il s'est démystifié. Il s'est désacralisé. L'enseignant qu'on percevait hier comme étant le modèle, hein, parce que c'est ça, l'enfant il ne fait que ce qu'il copie, ce qu'il voit. Si vous commencez à vous accommoder, si vous commencez. Ça veut dire quoi accommoder? Oui, même en dehors de l'école, dans les heures, je veux dire hors service. Que vous vous retrouvez avec vos élèves hein, dans des endroits où vous ne devez pas vous retrouver vos élèves. Dans quels endroits? Mais dans les maquis, dans des bars, et souvent de fois dans des boîtes. Enseignants-élèves. Enseignants-élèves. Non, le secrétaire général peut-être ne le voit pas. Mais je peux vous il dire. Il est femme là-dessus, il n'a pas connaissance. Je peux vous dire que l'enseignant qui hier ne pouvait même pas se permettre de s'asseoir sur un même banc avec son élève. Aujourd'hui, là, ça, c'est la chose c'est la ce plus facile. C'est ce qui vous donne le droit, vous, en tant qu'élève, de décider des congés? Non, de, attention, c'est tout un ensemble. Non. Oui, mais j'en viens. Vous étiez tout à l'heure en train de parler de l'enseignant. Oui. Je m'interroge, hein, vous allez répondre à la question. Est-ce que c'est parce que l'enseignant s'est démystifié et que la nature ayant horreur du vide, oui, que vous avez pris le pouvoir naturel, dans les écoles? Mais je vais vous dire, déjà. Vous faites la pluie le beau temps, non. Vous décidez d'aller en congé comme vous voulez, vous créez un état d'un état, non. Vous décidez. Non. Non. Vous savez que nous sommes dans un État et la loi et les règles, la discipline doit s'exercer. Chacun a ses responsabilités. Il y a la responsabilité, tout à l'heure nous parlons de la démystification. Quelle est votre responsabilité, vous en tant que jeune? Déjà, le président Edima. C'est pas normal hein, que ces jeunes se comportent comme ils se comportent, mais après on dit que l'homme, pour qu'il soit un citoyen, doit être éduqué, doit être formé, doit être encadré et doit suivre des valeurs. Donc, il copie des valeurs, il copie ce qu'il voit. Il n'y a aucune valeur, vous ne voyez plus rien du tout. Déjà, au niveau de la maison, au niveau de la cellule familiale, aujourd'hui, avec l'autonomisation de la femme, la question du genre et tout ça, maman est partie comme papa. Chacun c'est va au travail. C'est quelque chose qui vous dérange? Non, c'est pas mauvais, puisque c'est d'ailleurs c'est tout ce qu'on veut pour la société. Mais après, l'autorité du parent, c'est-à-dire que la présence du parent dans l'éducation de l'enfant prend un coup. Et l'enfant est livré à lui-même. Maintenant, quand il se retrouve à l'école, l'enseignant qui devait peut-être prendre le relais, il se trouve que les enseignants de type nouveau que nous avons aujourd'hui... Les enseignants de type nouveau. Oui, sont différents des enseignants d'autrefois. Donc, du coup, c'est un passoire. Après, il appartient, il a parlé hein, du directeur d'école, du chef de service, de prendre des dispositions pour que, bien entendu, l'enseignant qui a été pris, du moins, qui a été suspecté ou bien dénoncé, puisse être mis devant ses responsabilités pour que on puisse continuer à avoir des valeurs à copier. Alors, rapidement. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il dit. Un enseignant. Non, il était clair. Il dit que les enseignants de type nouveau. Mais c'est quoi l'enseignant de type nouveau? C'est cet enseignant qui n'arrive plus à produire des résultats en fin d'année? Non, il ne s'agit pas de ça. Ne mélangez pas les débats. Non, tu dis enseignant de nous type disons nouveau. Que, l'enseignant n'a pas seulement vocation. Parce que nous avons tous fait l'école normale supérieure. Non. L'enseignant n'a pas seulement vocation à donner la connaissance. Il a aussi vocation à éduquer. Bien sûr. À partir du moment où il se positionne aux yeux de l'élève, comme son camarade, mais allez-y comprendre qu'il a failli à sa mission, c'est pourquoi nous ce disons... Ce que je veux te dire, nous avons tous été élèves. Moi, j'approchais mes professeurs. Mais ça, c'était en votre temps. J'approchais... Non, mais ça continue. Quand un enfant vient vers le professeur... Qu'est-ce qu'il rentre dans le mot « approcher » J'approchais, oui, ça veut quand dire quoi, un enfant... Je veux dire qu'il ne faut pas mettre trop de barrières aussi entre l'enseignant et l'élève. Jusqu'à aller boire ensemble. Je dis, moi, je n'ai jamais vu ça, madame. Mais c'est vous. Oui, donc c'est j'arrive. C'est inquiétant. Parce que... j'ai dit, non, il ne faut jamais... Quand un enfant accepte que l'élève aille vers son professeur pour échanger sur des questions,
sur le cours qu'il a fait. Voyez-vous. Mais dit. Si pour avoir. Il représente ici, M. Edima représente ici les jeunes de Côte d'Ivoire. M. Edima valide qu'il y a des jeunes qui vont boire avec ça, ça n'engage que lui. Mais j'ai dit. C'est un paradoxe. Moi, je suis enseignant. Parce que le débat s'est fait de l'autre côté. Non, moi, je suis enseignant. Docteur Seyibi, est-ce que vous validez? Je suis en. Je vais dire, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je voulais vous dire. Nous sommes tous responsables. Non, mais docteur, à des niveaux de responsabilité Seyibi, on est responsable, certes, c'est vrai, d'accord, mais nous sommes en train de parler d'un point précis et qui est important. Oui. Il a été mentionné qu'auparavant, le respect de l'enseignant était déifié. Oui, même aujourd'hui, moi je fais cours à l'université Félix Houphouët-Boigny, dans un amphi bondé de monde, mais mon autorité ne peut jamais être remise en cause. Vous pouvez mener des enquêtes. Là où je soutiens ce que le jeune Edima, dit... La déchéance de l'enseignant n'est pas venue seulement de la chicotte qui est sortie de la classe. C'est venu aussi de la distance que l'enseignant a appris avec le livre, avec la maîtrise de la connaissance. Même minime que je suis ici, là, quand je suis en amphi, j'impose du respect. Pas parce que je dois grandir plus que la forme que j'ai, mais parce que dans le message que j'ai à passer, il y a un minimum de règles que je fais obéir par des apprenants. Ce qu'on ne retrouve pas chez la plupart, chez certains. L'autorité du maître, c'est-à-dire l'obéissance n'a rien à voir avec la soumission. L'autorité du maître, la déchéance est venue du fait que les autres contextes. C'est pour cela que moi j'aime mettre les choses dans leur contexte. L'environnement de l'école n'est pas resté isolé de l'ensemble de la société. L'environnement était ouvert à d'autres sous-ensemble de la société, l'aspect économique, l'aspect culturel. Même aujourd'hui, on parle de l'école, mais regardez l'enseignement télévisuel qui a duré 10 ans. 10 ans après, c'est-à-dire de 71 à 1980. On l'appelait télé pour tous. Hein. Oui, cet enseignement-là, c'est là qu'est venue la mise en parenthèse de l'autorité de l'école. Mais je parlais de l'occidentalisation des pratiques, que ce soit à l'école, même dans la cité. Mais il fallait dégrader l'autorité du maître. C'est ce qui était prévu. Il fallait, c'est-à-dire. J'ai dit l'Occident impose aux sociétés dominées. On nous a imposé. Je vous le dis, j'ai le moyen de le faire. On nous a imposé le. L'autorité du maître devait être dégradée. Pourquoi? Parce que la première formule de l'autorité était tirée des conditions culturelles de la société africaine. Merci. Mais à un moment donné, la pratique... Parce que l'enseignant, il est appelé par... En Occident, appelé par... L'élève appelle le maître par son nom. Mais il fallait dégrader l'autorité qui était devenue encore très renforcée en Afrique. Et c'est en ce moment-là qu'il fallait faire venir la télévision qui était un élément qui devait se mettre entre l'enseignant qui était confondu au savoir et l'apprenant. Donc, moi, du coup, bien, l'enseignant devient l'animateur. Oui, et à partir de là, Madame l'enseignant n'a pas repris la main pour renforcer sa position par la maîtrise de la connaissance. Merci beaucoup, docteur. Voilà. Madame Fadiga. Oui, moi, je dis que le problème des enseignants et des élèves, l'enseignant ne fait jamais l'effort, les enseignants de maintenant. C'est-à-dire qu'il y a tellement le laisser-aller. Même ce que vous dites pour comment on appelle ça, les congés anticipés, mais c'est les mêmes enseignants qui poussent... Un enfant ne va jamais mettre devant... Ce sont les enseignants qui poussent ses élèves, c'est ça? Il y a certains enseignants qui poussent... Certains enseignants. Un élève ne va jamais prendre une telle responsabilité s'il n'a pas un poids derrière. On a fait une enquête au niveau des établissements de Dimoko pour savoir pourquoi ça. Et il ressort que certains enseignants manipulent les enfants, les élèves. Mais quand un responsable, un éducateur, se permet lui-même de ne pas accepter, comment on appelle ça, d'éduquer l'enfant comme il se doit, au contraire qu'il est en train de le mettre sur le mauvais chemin, mais vous voulez que ça... Les enseignants manipuleraient les élèves, parents, vous êtes accusés de ne rien faire du tout, d'avoir démissionné. Monsieur Assuy, vous voulez intervenir? Je veux intervenir. Je vous dis sur ces questions... On pourra passer tout le temps en train d'échanger sur les questions d'enseignants, d'élèves. Oui, on s'accuse mutuellement. S'accuser mutuellement. Ce serait déplacer véritablement le sujet parce que ce serait tenter d'adresser une problématique ou une question sans tenir compte de l'environnement dans lequel les deux entités baignent. C'est ça. Le parent lui-même, ou bien le professeur, il est d'abord un parent d'élève. Donc il y a, depuis le cocon familial, depuis la cellule familiale, des efforts à faire à ce niveau. Et il faut indiquer... La cellule familiale, c'est le premier maillon de la chaîne de valeur. Est-ce qu'elle fait son travail? C'est justement ça. Il faut amener chaque parent
à faire d'abord le travail. Et quand les parents ne font pas leur travail, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les enfants vont s'éduquer avec les réseaux sociaux. C'est cela aussi également aussi. Et moi, je pense qu'il faut un véritable traitement holistique de la question pour appréhender l'ensemble des situations qui compromettent le bon fonctionnement de l'école et qui entachent également aussi, je veux dire, la bonne tenue du comportement des élèves. C'est des éléments qu'il faut pouvoir regarder en les mettant en juxtaposition avec tous les phénomènes autour. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, autant les élèves vont sur les réseaux sociaux pour aller s'abreuver d'informations qu'ils souhaitent, autant aussi les professeurs vont sur les réseaux sociaux aussi. Mais tout ça n'a pas forcément le résultat escompté. Et quoi qu'on dise, il faut le dire aujourd'hui aisément, que les réseaux sociaux, leur rôle premier, leur rôle primaire, aujourd'hui est dévoyé. Est dévoyé. Et quand chacun va s'abreuver, chacun tire les informations à l'intérieur et chacun l'applique. Et forcément, il y a les conséquences. Monsieur Ekoun, alors, vous êtes interpellé hein, oui. Par la plupart des intervenants. Alors, vous, en tant que syndicaliste, vous êtes toujours prêt à en découdre hein, avec les différents régimes, mais sous vos yeux, les enfants, vos élèves font la loi. Moi, je vous ai dit, ils font la loi parce que l'autorité, l'État, a mis les moyens pour qu'ils puissent faire la loi. L'État a mis les moyens pour qu'ils puissent... Oui, ils ont pris des tests, il y en a d'autres. Oui, sur la question, sur la Permettez qu'il termine. Parce que l'État, je veux qu'on récale le débat. Qui est l'État, véritablement? Mais l'État, c'est un tout, vous faites partie de l'État. Vous n'êtes pas isolé de l'État. Et il faut dire que dans les discussions... 2009, hein, permettez qu'il réagisse. L'État est une continuité. Oui, quand je dis l'État, ici, c'est vous. Non. Vous qui représentez l'État de Côte d'Ivoire. Oui, non, je dis... Et donc, quand j'ai un arrêté, c'est un ministre de la République de Côte d'Ivoire, pour moi, c'est l'État. Oui, donc je répondais à cette question. Ne me dites pas, l'État, c'est moi. Permettez à ce qu'il se termine. Oui, mais donc, dire que nous poussons les enfants au congé anticipé. Écoutez, nous, on a un programme à terminer. Ou parce que ça nous fait plaisir de voir les enfants partir? Non. Aujourd'hui, le pouvoir de l'administration qui était le conseil de discipline, on ne peut même plus l'exercer. Il existe toujours? Le conseil de discipline existe, ça est là, mais dans son application, c'est difficile. Pourquoi? D'abord, il n'a pas de pouvoir. Le pouvoir qu'il a, c'est au maximum exclure un enfant pour 3 jours. Mais qui lui a retiré ce pouvoir? C'est aussi l'État? Non, je vais dire que le pouvoir donné au conseil de discipline est insignifiant. Il y a un élève qui sort, il bat un enseignant. S'il vous plaît, madame. Permettez que je termine avec l'exemple, oui. Un élève qui sort, qui bat son enseignant, le conseil de discipline, s'il a pu se tenir, parce que quand le conseil veut se tenir, les organisations syndicales d'élèves s'y opposent. Mais s'il a pu se tenir, c'est au plus 3 jours. Et le lendemain, l'enfant se retrouve avec son maître. Ils s'opposent sur la base de quelle base légale? Ils s'opposent parce que j'ai dit les organisations syndicales. D'étudiants ou d'élèves vont venir défendre leurs camarades pour ne pas qu'ils soient exclus. Et ce qui n'est pas normal. Donc le conseil des élèves ne peut même pas se tenir. S'il a pu se tenir, comme je vous l'ai dit, son pouvoir est insignifiant. Ne serait-ce que 3 jours. Donc selon vous, l'État vous a enlevé tout votre pouvoir. L'État a remis les pouvoirs du maître à l'élève. Et l'élève est devenu le maître. Monsieur Assuy, rapide sur la question. Au-delà de cette question, je veux dire, de comportement des élèves, et comportement entre élèves et professeurs... Il a été clair, il dit que vous... Je reviens sur la question, en fait. Je suis en train de dire que c'est parce que, régulièrement, nous interrogeons le fait qu'il y a hiatus entre nous, entité et l'État. L'État, c'est tout le monde, en fait. Et je pense que, pour la question, pour la définition des mécanismes de fonctionnement de l'école, il y a des plateformes d'échange... y compris qui prend en compte la société civile, qui prend en compte les études des élèves, qui prend en compte les parents d'élèves, et il y a des discussions. Et moi, je pense que l'État ne prend pas isolément les décisions. Et c'est s'opposer et se dire qu'il y a véritablement blocage entre l'État et nous qui amène à des difficultés. Moi, je pense que nous faisons partie intégrante de l'État. Le texte est clair. Hein. Oui, l'État, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Le texte est clair. Mais quand il dit, quand il parle régulièrement de l'État, je veux l'amener à comprendre que nous faisons tous partie de l'État. Et il n'y a pas un État qui travaille pour une entité X et un État qui travaille pour une entité Donc Y. Donc c'est la responsabilité. Si on vous suit, c'était tout le monde. Tout le monde est responsable. Non. La question doit être creusée. Nous avons commencé déjà. L'arrêté est clair. Monsieur Assuy, l'arrêté est clair. Oui. L'arrêté dit en son chapitre 1, en son article 1, il est interdit à tout enseignant du secteur public ou privé d'infliger aux élèves des punitions physiques et humiliantes sous quelque forme que ce soit. Il est interdit de renvoyer un élève du collège ou du lycée pour les motifs suivants. En même temps... L'article 6, lisez l'article 6. L'article 6 dit tout enseignant qui, en violation de l'article 1er, infligerait des punitions physiques et humiliantes à un élève serait passible d'une sanction disciplinaire. C'est ce que je dis. Oui. Quand l'État prend un test
pour régenter une situation à une date donnée, c'est sur la base des constats. Il ne s'agit pas aujourd'hui de déshabiller Pierre pour habiller Paul. Si l'État qui prend cette décision aujourd'hui, c'est sur la base d'éléments factuels, de constats, de visu ou de constats réels, de ce que peut-être dans ce fonctionnement, il y a une part que jouent les enseignants et dont l'État ne prend pas forcément une décision pour lever très bien. Pour léser X ou Y. Cette décision très bien. Alors, quoi, permettez à ce que M. Edima, qui représente les jeunes alors, ici, s'exprime. Voilà. M. Edima, alors, moi, je voudrais... vous êtes la cause un peu de tout ceci. Hein? Non. Parce que vous avez pris la place de l'enseignant. Non, non. Vous décidez. Non, non, c'est trop fort. Et les textes ici présentés par le secrétaire général national du CNESI parlent de la protection de l'enseignant. Les devoirs de l'enfant sont plutôt... Les droits de l'enfant sont mis en avant. Donc vos droits plutôt que vos devoirs et vous en profitez au maximum. Il peut aller à l'école sans un cahier. Non, non. Il ne s'agit pas de ce fait-là. Je voudrais ici dire que quand nous pointons du doigt les enseignants, c'est justement pas tous les enseignants, puisque il y en a qui aiment les métiers, qui font du bon travail, il faut le souligner. Il a dit que vous êtes protégé aujourd'hui. Ce que nous disons, c'est que l'État, aujourd'hui, là, on a dit sur le plateau ici, autrefois on utilisait la chicorde parce que les enfants avaient certain âge pour supporter tout ça. Aujourd'hui, hein, on a évoqué 3 ans, on a évoqué 2 ans, et 4 ans pour aller à l'école et tout ça. Et on ne peut pas chicoter aujourd'hui un enfant. Il faut imaginer de nouveau... Il apparaît de l'âge. Hein. Voilà. Il faut imaginer de nouvelles solutions. Quand l'État prend ce type de disposition-là, c'est conforme non seulement à la Charte africaine des droits de l'homme, c'est conforme à la Charte africaine de la jeunesse, hein, qui, au sein de la Charte africaine des droits de l'homme, c'est la seule charte qui prend en compte les droits et devoirs des jeunes. À partir de ce moment-là, c'est une suite logique. Hein, ce test est une suite logique. Ce que nous disons, les questions de pouvoir qu'on a arraché à l'enseignant, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. L'enseignant n'a qu'à commencer déjà à se positionner comme un modèle pour l'élève qu'il est censé éduquer. Au-delà de l'enseignant, au-delà de l'élève, c'est toute la société qui va mal. Docteur. Oui, moi je disais, n'isolons pas l'école comme si on l'avait emmené sur la lune pour faire des propositions. N'oublions pas que l'école ivoirienne est inféodée par, j'allais dire, des courants politiques qui sont à l'intérieur Parlons de la courants nation. Politiques. Est-ce que quand est-ce que de façon précise on assiste au dévoiement des valeurs? Parlons de politique. Est-ce qu'on a une date précise? Il y a un fait politique qui le marque. Le contexte, l'évolution des contextes, c'est parti depuis 1990 avec le discours de la Baule. Est-ce que vous voyez? Ou l'avènement du multipartisme, où la communauté internationale s'invitait dans le débat à l'intérieur et essayait d'imposer un ensemble de choses. Quand on part de là, aujourd'hui, moi je parle d'aujourd'hui, aujourd'hui, à l'école, quand tu entends les enseignants de tel niveau, de tel parti politique, l'école n'est plus l'institution qui fédère toutes les énergies. On a parlé des valeurs qui fondent la nation ivoirienne. À un moment donné, il y avait un consensus autour d'un ensemble d'institutions. Et l'école, quand on quitte la famille, on va à l'école pour la socialisation secondaire. Après l'école, on tombe dans le milieu professionnel. Mais si cette école-là n'est pas le lieu où on donne tous les moyens pour que l'institution elle-même fabrique des citoyens modèles, et on peut passer tout le temps à s'accuser, mais on ne règle pas le problème de l'école. Le problème de l'école, ce sont des effectifs pléthoriques qui sont venus du programme d'ajustement structurel. Le problème de l'école, c'est l'enseignement télévisuel qui a fabriqué des perroquets. Des gens qui savaient répéter mais qui ne savent pas lire. Nous, on a fait dictée préparée, une faute, 4 points en moins. Et si tu fais une faute, on te frappe. Est-ce que vous voyez? Nous, on a fait ça. Et les manuels qui se sont dilués, il fallait... Aujourd'hui, il faut juste transcrire les sons. Mais avec un tel élève qui est là juste pour mimer et qui est plus docile à ce que j'ai appelé les anti-valeurs qui sont promis dans la société. Mais pour moi, la responsabilité n'est pas de s'accuser mutuellement. Mais qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Je veux qu'on se comporte comme un samouraï qui a reçu une flèche empoisonnée. On ne cherchons pas à savoir d'où vient la flèche. Mais en ce moment précis, moi, en tant qu'enseignant, je suis assis ici. Qu'est-ce que je dois faire pour l'école? Mon diagnostic, c'est que l'école est influencée par d'autres éléments. Très bien. D'autres éléments de la société. Les parents, leur pouvoir a diminué, s'est fortement dégradé à cause des crises successives au plan économique.
mais aussi, surtout, le travail. On parlait du travail tout à l'heure, là. Le travail, une famille où monsieur et madame travaillent, ce n'est pas une famille qui donne tout l'environnement coercitif à l'enfant de ne pas ruser avec l'école. Monsieur ou madame ne devrait pas travailler? Non, ils travaillent, mais les substituts parentaux, c'est qui? C'est qui? Est-ce que la servante, son rôle, c'est d'obliger l'enfant? Parce que dans le processus de socialisation, la contrainte est un facteur déterminant pour faire de l'individu un modèle. Mais quand la contrainte diminue, du fait qu'on veut copier sur l'Occident, c'est pour cela que moi je dis, à un moment donné, la Côte d'Ivoire, comme juste après les indépendances, où la Côte d'Ivoire, où les États, où les pères de la nation et autour du tout, on se donnait les moyens propres à nos contextes culturels pour produit les résultats attendus. Est-ce qu'il y a lieu d'avoir des regrets? Est-ce qu'il y a lieu... Il n'y a pas de regrets, il faut assumer son présent. Il a parlé du multipartisme. Est-ce qu'il y a lieu d'avoir des regrets? En tant qu'Africain, on avait nos propres systèmes politiques et vous êtes en train de nous dire... Non, j'ai dit que l'Occident n'était pas gendarme sur ce qui se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les faits et gestes à l'école sont surveillés par les bailleurs de fonds qui veulent que l'école... L'État se retire progressivement de l'école. C'est pour cela que j'ai parlé des programmes d'ajustement structurel. Quand l'État n'investit pas sur l'école, c'est l'enseignant qui est fragilisé. Ce sont les infrastructures qui souffrent sous le poids pléthorique des étudiants. Et quand on a un nombre pléthorique d'apprenants, il y a l'anonymat qui s'installe dans le groupe. Quand un élève ne contrôle, un maître, quelle que soit sa puissance, il ne contrôle pas les faits et gestes de ceux qui apprennent, mais en ce moment, c'est le désordre. Mais Madame qu'est-ce Fadiga? Qu'il peut faire devant un monde incontrôlé? Madame Fadiga? Oui, voilà. Lorsque vous êtes en train de parler pour, comment on appelle ça, concernant l'école, effectivement, mais pourtant les enseignants ne se sont jamais plaints. À chaque fois, quand il y a grève, ils ne se sont jamais plaints des classes pléthoriques. En fait, moi, je venais. Les enseignants ne se sont jamais plaints? Jamais plaints. Vous affirmez cela? Bien sûr, puisqu'on a. Voilà, on va toujours. D'accord. Alors, je voudrais juste. Il y a un article. Il y a un article 362 du Code pénal ivoirien qui interdit même aux parents de punir leurs propres enfants. Oui, ça, c'est le copier-coller. Correction, non, quand même, tout être humain a besoin d'être corrigé. Ça, c'est gênant. Selon vous, c'est gênant. C'est gênant. Où est la contrainte, la coercition? C'est gênant. C'est le copier-coller. Voilà. Monsieur Assoui, monsieur Assoui. Tout à l'heure, madame a dit que nous ne revendiquons pas les effectifs pléthoriques. Moi, je peux vous présenter la dernière plateforme du CINESI, où nous avons revendiqué des conditions meilleures de travail, les effectifs pléthoriques. Les tableaux noirs qui sont confondus désormais au mur. Les toilettes dans les salles des profs qui n'existent pas. C'est tout ceci qui vous permet de boire, peut-être. Mais vous insistez trop. D'accord. Alors, monsieur Assoui, elle a mentionné un point très important. Les parents sont même interdits de corriger leurs enfants. Oui. Aujourd'hui, ce qui donc leur enlève un peu leur autorité. Oui. Sur cette question, je pense qu'on a déjà assez. Un pays n'avance pas en vase clos. Il y a des règles. Il regarde ses réalités. Il y a la mondialisation qui existe. Il y a la relation, il y a la coopération internationale. Il y a les relations avec l'extérieur. Il y a les nouvelles donnes. Un pays avance en tenant compte de l'environnement dans lequel le pays est situé. Et je suis d'accord, mais il faut prendre en compte également aussi, c'est pourquoi tout à l'heure j'indiquais que le traitement de la question... du comportement des élèves et des enseignants ne peut pas se traiter de façon isolée. Moi, j'aborde une question, par exemple, de l'évolution démographique, qui est aussi un facteur aussi. Moi, je ne suis pas adepte du maturianisme, mais il faut dire également qu'avec l'évolution démographique, avec l'exode rural, c'est beaucoup d'éléments qui impactent forcément le bon comportement des enfants. Quand on constate que dans notre société maintenant, on ne respecte plus même l'autorité policière, vous le savez, nous avons eu un policier qui a été transporté sur un capot d'un véhicule d'un quartier A à un quartier B. On touche le fond, docteur. Oui, oui, parce que... La contrainte, là où il n'y a pas de contrainte, l'individu se donne toute la liberté. Mais il a expliqué que la contrainte ne pouvait plus être comme elle était auparavant à cause des relations bilatérales et tout ça. La contrainte... Attendez, docteur, c'est... Ne rattachons pas tout à l'élément symbole chicote. Oui. Quand je dis la contrainte, ça, c'est dans le processus de la socialisation. Ça dit qu'il y a deux éléments qui accompagnent la promotion des valeurs. Ce sont les sanctions.
Il y a deux types de sanctions. Les sanctions négatives, c'est-à-dire les punitions, et les sanctions positives. Et là, on est en train de... Depuis longtemps, je vois vous insister sur des enseignants qui ne sont pas des modèles. Mais à force d'en parler, ils deviennent des modèles. Et ceux qui, malgré les transformations autour d'eux, sont restés attachés aux valeurs, qui ont l'amour profond de leur métier et qui le font avec abnégation, même avec la dégradation des conditions de travail. Qu'on revienne sur l'exemple que j'ai donné, s'il vous plaît. Est-ce qu'on en fait la promotion ? Docteur Seibi, je voudrais qu'on revienne sur l'exemple. Oui, l'exemple, c'est ce qui s'est passé. Je veux juste commenter en disant le fait que les institutions judiciaires aient réagi avec célérité, c'est une bonne leçon. Est-ce que vous voyez? Mais ce serait bon de ne pas sélectionner. Il faut éviter les agissements à géométrie variable. Moi, ce qu'on est en train de faire là, si on fait ça à un transporteur de Baka, il va rouler sur la chaussée et non là où les piétons marchent. Mais quand on fait la règle à tout le monde. Il faut appliquer rigoureusement. Il ne faut pas choisir un moment pour appliquer les mesures. C'est quand même un acte grave, il fallait réagir. Oui, mais un acte aussi minime qui désorganise la société, qui dérive par rapport aux valeurs, est un acte suffisamment grave parce que ça met en péril l'avenir de la société. Et aujourd'hui, nous sommes en péril. Vous parlez de l'exemple de ce policier qui a été transporté, mais tout récemment... La société va mal. Oui, la société va mal, c'est dans tous les secteurs, c'est pas seulement à l'école. Vous avez vu dans le domaine de la santé, où à Zopé, cette dame... cette dame a été... Exactement. Mais l'État a fermement réagi. Voici ce qu'il faut. Voici ce qu'il faut pour donner l'orientation, pour donner les indicateurs. Il faut faire la promotion des valeurs à travers la fermeté de l'autorité de l'État. Dans cette affaire, il y a beaucoup de choses à faire. Chacun doit prendre ses responsabilités. Et on va y arriver. Oui, mais parlons de plus de responsabilités, on va y arriver rapidement. Là, très rapidement, effectivement, la société va mal parce que les lois sont là, les lois ne sont pas appliquées. Mais ce chauffeur de taxi a été interpellé. Oui, oui, mais non, ça c'est... Bon, il a dit, ce fait minime-là, aujourd'hui, bon, comme c'est passé par tous les... C'est un fait minime grave, quand même. Oui, mais s'il y a eu des antécédents, aujourd'hui, les lois ne sont pas appliquées dans ce pays. Il faut que les lois soient appliquées. Quand on prend une loi, il faut l'appliquer avec rigueur. Et quand on ne l'applique pas, mais c'est ce qu'on constate dans les rues. Aujourd'hui, par exemple, on dit, on ne téléphone pas au volant. Nous téléphonons tous au volant. Vous le faites? Oui, je le fais. Tout le monde le fait, et il n'y a rien. Oui. On dit, on ne vend pas les sachets plastiques dans la rue. Mais on voit. Mmh. Même les mêmes qui sont chargés de faire l'ordre, ils sont achetés, ils boivent et puis jettent. Puis on continue. Donc, très bien. Allons-y. Ça traduit l'absence de la coercition. Parce que quand on dit de ne pas faire, il faut se donner les moyens pour recadrer ceux qui sortent. Alors, pour la dernière partie de ce débat, il est temps de parler solutions. Que proposons-nous pour redorer le blason de notre pays? Seydou Ouattara a recueilli les avis des populations. Reportage. Les valeurs sociales, civiques et citoyennes sont en crise dans notre pays et dans certains systèmes. Et chacun de nous a participé volontairement ou pas à cet état de fait. Aujourd'hui, ce qui nous est donné de constater, c'est que les modèles qui sont valorisés sont aux antipodes des valeurs morales. Ce sont les médiocres qui sont mis au devant, tandis que les travailleurs acharnés et assidus sont laissés pour compte. C'est à la maison que l'enfant apprend à dire, par exemple, « Bonjour, s'il vous plaît, excusez-moi, pardon, bienvenue et au revoir. » Toutes ces civilités commencent dans le cercle familial. Ce n'est pas fait, l'école aura du mal à l'inculquer. Notre esprit doit être nourri de l'éducation. Et les meilleures communautés qui ont évolué dans le temps et qui ont pu implanter leur civilisation, ce sont les sociétés qui ont gardé leurs valeurs. Mais quand on voit qu'une société est en dégringolade, qui perd tous ses repères et qui n'arrive pas à se développer, c'est que quelque part la source des valeurs sont perdues. Et cette valeur va à travers l'éducation que nous recevons, dans la source de notre culture. L'enfant qui devait recevoir cela ne reçoit plus. Alors il n'a rien à donner à la société, il n'a rien à donner à la communauté. Il devient un danger pour la communauté. Parce qu'il y a un penseur qui dit, celui qui ne possède pas ne peut pas donner. Et celui qui n'a pas reçu cette valeur ne peut pas donner. Donc cela fait que la société aujourd'hui a pris un coup de manque de valeur. Voilà, alors monsieur Assoui, est-ce qu'il ne faudrait pas vulgariser le concept de l'ivoirien nouveau? Effectivement, nous devons, au vu de ce que nous avons entendu et des échanges que nous venons de faire maintenant, je pense que nous devons aller
à la reconquête de ces valeurs-là qui sont perdues. Et sur la question, il faut indiquer que le gouvernement n'est pas resté passif, oisif, timoré sur la question. Le gouvernement lance des initiatives. Et je disais à l'entame de nos discussions qu'en 2016, le gouvernement a bien voulu mettre en place des centres de services civiques. Et ces centres de services civiques prennent en compte les jeunes en zone de vulnérabilité. Il y en a combien ? Et dans les centres, nous avons cinq centres. En ce moment, nous avons cinq centres de services civiques. Mais le gouvernement veut aller plus loin. Et je vous indique que sur la période 2021 à 2025, c'est près de 33 centres de services civiques que le gouvernement envisage d'ouvrir sur l'ensemble du territoire national. Faire en sorte que dans chaque localité, dans chaque région, il existe un centre de services civiques pour adresser la problématique de la formation civique des jeunes dans la localité. Mais au-delà de cela, les réseaux sociaux, les médias qui arrivent à travestir ou à tronquer nos valeurs traditionnelles. Mais le gouvernement a pris la mesure de la chose. À Korogo, aujourd'hui, il existe un centre qu'on appelle le Service National Jeunes. De quoi s'agit-il? Il s'agit de mettre dans ce centre-là 216 jeunes venant de 108 départements en raison de 2 jeunes par département. Ils ont des cultures différentes, ils ont des situations socio-professionnelles différentes, ils ont leurs religions qui sont différentes. Et cela a eu, ce dispositif a eu lieu effectivement à Korogo. Matcher, mettre ensemble des jeunes pour apprendre nos valeurs, nos us et coutumes. C'est parce que le gouvernement est conscient de ce que les réseaux sociaux, de ce que les médias qui existent arrivent à travestir la bonne éducation que le gouvernement prend des mesures en termes d'anticipation ou de résolution de ces problèmes-là. Donc le gouvernement ne reste pas oisif sur ces questions. Il y a aussi également aussi la question du volontariat, qui est une forme d'engagement citoyen. Donc, il y a pas mal de sillons déjà tracés qui pourraient permettre à notre nation de redevenir ce qu'elle était. Oui, les sillons, non, ce que je souhaitais dire, ce sont les mesures que le gouvernement est en train de prendre pour permettre à ce que nous, l'Ivoirien, quand on parle d'Ivoirien nouveau, c'est quoi, à la vérité? C'est parce qu'anciennement, l'Ivoirien a perdu des valeurs. Et nous sommes à la quête. Donc, quand le président de la République, sur l'essentiel, prône l'Ivoirien nouveau, c'est parce qu'il veut mettre tout en œuvre. Et il est conscient de ce que l'Ivoirien transformé est celui-là capable d'apporter, de jouer une part active dans le développement économique et social de la nation. Parlons du président de la République, alors sur le site officiel du ministère de la Défense, nous avons sa vision. Il a dit la création d'un service national obligatoire de 45 à 60 jours pour tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire répond donc au souci, à ce souci-là. Ce service militaire, civil ou mixte, procurera aux jeunes d'une même génération le goût de l'effort et le sens de la discipline et d'une part leur fera prendre conscience des valeurs qui les unissent au destin commun qui les attend. Dans ce cadre, une formation militaire de courte durée sera dispensée aux fonctionnaires sortant de l'ENA ou des grandes écoles. Vos réactions ? Ma réaction, d'abord. Permettez, comme vous êtes l'État, vous êtes forcément, oui. D'accord. Oui. Oui, nous saluons la vision, cette vision du chef de l'État. Monsieur Edima, vous êtes concerné, là. Nous saluons cette vision et nous voulons qu'elle s'applique à tous les instituts de formation, à tous les jeunes de ce pays. Qu'on aille au-delà même de l'ENA. Parce qu'en définitive, c'est toute la société, nous sommes dans un pays qui est composé de près de 77% de jeunes. Il faut que cette vision-là s'applique à l'ensemble des jeunes de ce pays-là. Mais c'est ce qu'il a dit, hein. Il dit tous les vous avez fils. Cité oui. L'ENA, vous avez cité des grandes... Oui, la cible, voilà, l'ENA voilà. Ou des grandes... Ce que nous disons, c'est que... Que proposez-vous? Ce que nous proposons, c'est que cette vision s'applique à l'ensemble des jeunes, de manière à ce que les valeurs qui nous unissent et qui constituent notre destin, notre identité commune, soient réinculquées à la jeunesse, de sorte qu'au sorti de là, on puisse limiter les dégâts. Vous me permettez de faire des propositions. Allez-y. Oui, l'école est un élément central de tout ce que nous sommes en train de dire. C'est vrai, la société va mal à gauche et à droite, mais tout part de l'école. C'est pourquoi je propose, je suis d'accord, pour qu'il y ait les états généraux de l'école ivoirienne. La ministre Marie-Tou l'a annoncé. Voilà, hein. Que ces états généraux-là soient l'occasion de repartir à zéro. Et que les parents d'élèves, qui aujourd'hui sont contraints par la situation nouvelle où maman et papa sont tous partis au travail et tout ça, que chacun prenne ses responsabilités dans ce départ nouveau qui va découler des états généraux de quel enseignant qui, bien plus qu'un enseignant de connaissances, soit de façon plus pratique un éducateur et qui se positionne comme le premier modèle de l'enfant, du jeune.
Et que dans notre société... On va revenir peut-être pour la suite, mais j'aimerais faire intervenir M. Ekou. Merci, c'est une très belle vision de son Excellence, M. le Président de la République. Ça traduit là qu'au plus haut sommet de l'État, ils sont conscients que la société va mal. Mais c'est une solution. Je pense, comme lui d'ailleurs, pour résoudre véritablement la question, c'est au niveau de l'éducation. Et ça commence par réinstaurer, j'insiste là-dessus, la dignité du maître. Il n'y a plus de maître. Bon, comment on réinstaure ? Il faut donner le pouvoir au maître. Comment on le fait ? Prendre des tests pour abroger tout ça. Parce que quand on fait, c'est du copier-coller. On va me dire, non, il y a la charte de ceci, il y a la charte alors de vous ça. Voulez, vous, voulez que, avec nos cultures, vous voulez qu'au notre au, tradition, au premier niveau valeurs. De l'État, on puisse prendre un arrêté qui vous redonne la capacité de punir. C'est de cela, parce qu'apparemment, ça a tout la punition, j'ai dit, tout évolue, tout est dynamique. Il faut adapter les choses passées. Mais on peut réfléchir au système. C'est ça, il faut adapter. On n'a pas dit de rester dans l'ancien système. Attends, on ne va pas nous demander de vivre comme en 1960. Mais il faut adapter parce que l'école, aujourd'hui, ça ne va pas. Vous allez faire des propositions quand il y aura les états généraux bien sûr, de l'école. Il faut valoriser l'excellence. Il faut valoriser l'excellence. Je me souviens qu'on était élève. Il y avait des prix de ceci, prix de cela. Je vais prendre un exemple. Il y a un concours en Côte d'Ivoire, un concours Miss Côte d'Ivoire, pour déterminer la plus belle femme du pays. Il y a un autre concours, concours Miss Mathématiques. La fille la plus douée en mathématiques. Mais regardez les récompenses. Pour vous, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne va pas. L'excellence, c'est celle-là qui demain, la plus douée, la jeune fille la plus douée en mathématiques qui demain pourrait nous envoyer sur la Lune, elle va recevoir seulement un ordinateur. Mais de l'autre côté, moi, je ne sais pas. Vraiment, je ne comprends pas. Il faut valoriser l'excellence. Il faut le mettre à même niveau. Hein. Non, il faut aller au-delà. Il y a des choses qui sont pour moi inutiles. Voilà, pour moi, il y a des choses qui sont inutiles, donc il faut aller. La culture fait partie quand même de la vie de la nation. La culture ? Oui. Très bien. Alors, on ne va pas oublier la culture. Permettez que je puisse m'adresser au docteur Seibi. Oui. On réagit donc sur la proposition, le texte, qui parle du service national obligatoire de 45 à 5 jours pour tous les fils et filles de Côte d'Ivoire. Oui, mais la vision du président. Moi, je suis optimiste en tant que personne humaine, mais la sociologie m'a rendu pessimiste. Mm. Ce qui est dit là, sur papier là, oui. Nos casernes n'ont pas les moyens pour recevoir... Est-ce que la mise en œuvre a été déjà énoncée? Non, je vais dire... Vous quand êtes on trop dit pessimiste peut-être. Non, je dis... c'est depuis 2018. Le texte ce sont les conditions matérielles et financières qui font que 3 ans après, on n'est pas encore passé à l'implémentation. Pour l'instant, je vais on dire, n'est pas les raisons. Allez, c'est pour cela que je suis d'accord avec le représentant de l'État qui parle du traitement holistique. C'est-à-dire qu'il faut imaginer des solutions adaptées au contexte. Aujourd'hui, l'État n'a pas les moyens pour faire ces services obligatoires. Dans les années où ça se faisait en 63 enfin, jusqu'à 70... Si le président l'a dit, ça veut dire que... bien sûr, on ne va pas quand même mettre à mal ce qu'il a dit. Non, moi, ce que je propose, et ce que l'État peut réaliser facilement, c'est de former des spécialistes chargés du service civique et les envoyer. Parce que les enseignements ECM devenus EDAC se font comme des activités accessoires, greffées à d'autres activités pour lesquelles on forme. C'est gênant pour vous, l'ECM devenu EDAC, c'est cela? Pour moi, il faut former quelqu'un qui s'occupe de la formation civique. C'est son activité, c'est son emploi du temps. Il n'a que ça à faire. Très bien. Vous voyez. Et l'autre élément... Et sur la question de l'Ivoirien modèle, pour moi, il faut nouveau. La notion, c'est l'Ivoirien. Voilà, l'Ivoirien nouveau. Il faut entreprendre une étude pluridisciplinaire qui va donner un contenu à cette vision. Parce que tant qu'on n'a pas le modèle qui permet de juger l'Ivoirien du 21e siècle, ce serait quand même un discours qui va rester politique. Mais il faut un étalon de comparaison au plan culturel, au plan politique. Moi, je suis très heureux de voir Madame la ministre, le professeur... Pone Mariatou, professeur titulaire, spécialiste en éducation, ministre de l'éducation. Il faut faire la promotion des valeurs, mais il ne faut pas parachuter et récompenser. Le secteur de l'éducation doit être un secteur qui va relever, j'allais dire, pour moi, il faut en faire un ministère d'État. La question de l'éducation, de l'enseignement supérieur, parce que c'est le cœur. Pour désorganiser une société, on n'a pas besoin de larguer une bombe. Il faut désorganiser le système éducatif. Très bien. Et si nous sommes abandonnés à des tourbillons, c'est parce que notre environnement n'est pas assaini.
la boisson qui se vend dans en les... En proposition, la... vous avez fait non, une moi proposition, j'ai dit, oui. Il faut prendre ses responsabilités. Très bien. Faire très en bien. Sorte que les états généraux, je pense que les gens n'auront pas... Ça va arriver et vous aurez l'occasion. Mais il faut que les solutions là ne restent pas dans les tiroirs et que ce soit appliqué. Très bien. Parce que le fait merci que les acteurs beaucoup. Se retrouvent, Madame c'est déjà une bonne solution. Madame Fadiga. Oui, moi, bon, comme proposition, en fait, effectivement, il faudrait que le droit des éducateurs leur revienne et les parents d'élèves aussi. Ça, en plus de cela, il va falloir faire venir, bon, enfin, au niveau de comment on appelle, du service militaire, si on peut descendre jusqu'à l'âge de 15 ans, et pourquoi pas ne pas... Jusqu'à l'âge de 15 ans. 15 ans. Et pourquoi pas ne pas instaurer même, déjà même, la morale, l'éducation civile, au sein même... Le SEM a disparu, hein, pour... Au sein même de nos écoles. Le SEM a disparu, on parle de l'EDHC maintenant. Ça, il faut que ça revienne. C'est, il faut que ça revienne. Et puis, bon, c'est non bien. Seulement ça revienne. Qu'on ne prenne pas des lois contre nous, notre volonté en tant que parents. La preuve, même la fameuse loi de 2012 qu'ils ont pris, 83% même des parents, même au niveau de la France elle-même, ont refusé même cette fameuse loi-là. Rappelons la fameuse loi, s'il vous plaît. Cette loi empêche les parents de corriger. De... La loi. Oui, la loi. Aux parents même, avant l'âge de 15 ans, un parent n'a pas le droit de tenir des propos à son propre enfant, ni le corriger, ni, alors qu'une correction... Est-ce que vous lisez bien le texte? Est-ce que, oui, bien, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, est-ce que ça existe dans ce pays? Oui, mais ça existe. Madame le ministre l'a signé oui. Avec l'arrêté du numéro 00715... En cas pratique, est-ce que ça se passe dans les familles? Ici, il y a des familles... La fois dernière, quand on préparait l'émission, je vous ai dit, il y a une maman qui a essayé de corriger sa fille de 14 ans. Elle s'est retrouvée deux jours derrière le comptoir. Vous trouvez que ça, c'est normal? Elle a été arrêtée, elle a violenté sa fille. Oui, et c'est une voisine elle qui a violenté, elle a humilié. Non, mais si après, non, mais... si après elle très bien. Sa fille d'une certaine manière... Bien sûr. Je rappelle que nous sommes dans les propositions. Monsieur Assuy, rapidement, proposition, et on termine. Oui, oui, okay. Monsieur, écoute, oui, s'il vous plaît. Oui, sur, la question, de la vision du président de la République de 2018... Madame Fadiga. Corriger. Je vous en prie. La question, s'il vous plaît, messieurs. Donc, je disais, oui. Sur la question de la vision du président de la République dont vous parlez tout à l'heure, nous sommes appropriés cette vision du président de la République. Et c'est pourquoi... Et vous allez mettre en œuvre ce qu'il a pourquoi, dit. Hein. Oui, justement, c'est pourquoi en 2019, nos deux chambres ont voté une loi réinstituant le service civique et qui a été promulguée le 14 octobre 2019. Et cette loi réinstitue le service civique. Comme je disais tantôt, le président de la République a compris le bien fondé de la réinstitution du service civique. De la réinstauration du service civique. Et ce service civique, dorénavant, qui comporte trois dispositifs, le civisme de la citoyenneté, le volontariat et le bénévolat, ce service civique-là, le ministre de la Protection de la Jeunesse, l'employeur du service civique, a souhaité que nous puissions avoir des actions qui s'étendent dorénavant sur l'ensemble du territoire national. Donc pourquoi, de plus en plus, on va vous sentir sur le plus terrain en plus, avec de plus les plus jeunes. En plus, comme je disais, le ministre de la Protection de la Jeunesse, de l'Institut professionnel et du service civique, souhaite que de merci. Plus en plus nos cibles, on puisse adresser la problématique. Merci beaucoup, monsieur Assuy. Non, l'émission est terminée. Ah, mais nous, donnez proposition. Non, l'émission est terminée. On n'a pas je vous prie. De bon effet. Non, il y a, vous avez déjà eu votre temps de parole. Alors, je rappelle que nous recevions pour vous, monsieur Assuy, vous êtes conseiller spécial du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique. Madame Fadiga, présidente de la Fédération Nationale des Parents et partenaire de l'école en Côte d'Ivoire. Docteur Seyibi Djamal, sociologue, enseignant-chercheur à l'Université Félix Foulbogny. Et monsieur Ekoun Kouassi, secrétaire général national du syndicat national des enseignants du second degré. Monsieur Edima, président du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Merci d'être venu. C'est ensemble, la main dans la main, que nous arriverons à faire en sorte que les valeurs perdues soient retrouvées pour une belle Côte d'Ivoire. L'Ivoirien nouveau est possible. Merci de nous avoir suivis. Les programmes continuent sur RTI 1. Bonsoir. We'll be right back.